10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 to count. 8300. Oh my god. Radio, c'est Stade Castel. Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD, 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise! What a truc de fou! MDR! Easy TikTok! Bonjour et bienvenue sur Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD Castel. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur Vibri Rugby. L'émission est en direct. Micro. L'émission est en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30. Elle est animée par l'équipe du CESAD. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Vibri Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct puis Carcassonne. Et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre quatrième émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des CESAD de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 4 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Tyler, j'ai 13 ans. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 15 ans. Bonne fête au pollen. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 12 ans. Côté météo, beau temps sur l'Aude. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 11 ans. Conseil santé, attention au virus. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 12 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Mmh. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Vous écoutez bien Radio CESAD Castel. Au programme de cette émission, la présentation d'un nouveau arrivant au CESAD, Lorenzo. De quoi parlons-nous ensuite, Enzo? Un retour sur les fêtes de Noël s'impose. On parle aussi de cette nouvelle année. On reviendra sur le loto du CESAD, vos programmes. Non, allez, c'est parti. C'est l'heure de la nouvelle. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Et si on faisait connaissance avec Lorenzo? Il va se présenter. Reportage exceptionnel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, je m'appelle Lorenzo, ma date de naissance, 26 mai 2012. Alors, ça te fait quel âge, ça? Ça te fait quel âge?
10 ans et demi. Ok. Alors, est-ce que tu habites par ici, à Castelnaudary, par exemple? J'habite à Pexora. Ok. Et tu as des frères et des sœurs? J'ai deux frères. Comment ils... Moi, je suis très curieux. Est-ce que tu peux nous donner les deux prénoms de tes frères? Matteo et Lorenzo. Est-ce que c'est toi le plus grand? Oui. Ah! Comment on appelle le frère le plus grand? Tu le sais? Non. Tu es l'aîné de la famille. Non. C'est ça. Ok. En quelle classe tu es? CM1. Ok. Est-ce que tu peux me dire à peu près les matières que tu aimes à l'école? Les maths et les multiplications. Ah, d'accord. T'aimes bien les multiplications. Pourquoi est-ce que tu viens au CESAD, toi? Tu le sais? Pour apprendre. Pour apprendre. C'est quoi les problèmes que tu dirais? Est-ce que tu as un problème en particulier? Non. Non? Oui. D'accord. Donc, c'est juste parce que des fois, tu as des difficultés pour apprendre et donc pour mieux apprendre. Oui. Allez, ça me va. Qu'est-ce que tu fais comme sport ou comme loisir à la maison? Moi, déjà, je joue aux jeux vidéo. Tu joues aux jeux vidéo? À quoi, par exemple? Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont connaître les mêmes jeux que toi. FIFA. Ah, donc plutôt football. Oui. D'accord. Et j'aime bien la nage. D'accord. Est-ce que tu fais de la natation en club? Non. Est-ce que tu vas des fois à la piscine? Non. L'été, peut-être? Non. Non plus. Mais t'adores nager? Oui. Alors, t'adores nager ou être dans l'eau? Nager. Nager, bon, ça c'est bien, bravo, bravo. Qu'est-ce que tu fais en club? Je fais du foot à Saint-Papoul le mardi. D'accord. Tu es en U combien, tu le sais? Ta catégorie d'âge? U12. T'es en U12, et quel poste tu joues au foot? Tous les postes. Ah bon? D'accord, t'es spécialisé en défense comme en attaque. Tu joues gardien des fois? Oui. Ah, bravo, félicitations. T'es même très fort au gardien, eh ben dis donc, super. Et ta passion, c'est quoi? Dessiner. Dessiner. Alors, explique-moi quel genre de dessin tu aimes faire. Des Audi R8. Des quoi? Des Audi R8. Ah, des Audi. Ah, c'est une voiture. Oui, d'accord, une voiture, ça j'ai compris. Des chats. Ouais. Des personnages. Oui, d'accord. Super, super. Et c'est tout. Bon, mais tu verras, c'est ça. Nous, on favorise tout ce qui est de l'ordre de l'expression, du dessin. Tu vois, ici, il y a même un atelier terre. En plus de la web radio et tout ça, il y a plein d'ateliers. Super! Comment tu te décrirais au point de vue de ton caractère? En colère et calme. Oh là, ça fait que tu m'expliques, hein? Alors explique-moi pourquoi en colère et pourquoi calme. Alors en colère parce que mon frère il m'énerve à chaque fois. D'accord, ouais. Et calme parce que je suis calme à l'école. D'accord, bon, et moi j'ai une autre question. C'est, à part ton frère, est-ce qu'il y a autre chose qui te met en colère? Quand je perds. Ah, t'es un mauvais perdant? Non. Bon, on est deux, t'inquiète, moi aussi ça me met des fois en colère. Ok, ben tout ça on va peut-être l'apprendre aussi avec le CESAD, c'est bien. Alors, on va faire un petit jeu, comme chacun ici, à chaque fois qu'il s'est présenté, qu'on avait un petit nouveau ou une petite nouvelle, on a fait ce qu'on appelle un portrait chinois. Le portrait chinois, c'est que je vais te poser des questions, et tu vas me dire par exemple, si tu étais un animal, tu serais quoi? Un chat. Alors, essaie de m'expliquer pourquoi le chat. Parce que j'aime bien les chats et en plus, les bébés chats, ils sont vraiment mignons. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais le chat, c'est un animal aussi qui est indépendant. Est-ce que tu connais ce mot, indépendant? Non. C'est qu'ils font leur vie tout seuls. Non. Ah, d'accord. Si tu étais une couleur? Le rouge. Pourquoi? Parce que j'aime bien le rouge. Oui, d'accord, mais ça te fait penser à quoi, le rouge? Parce que je vois que t'as un t-shirt rouge, par exemple, là. Ça me fait penser aux joueurs de foot qui sont rouges des fois. Ah, comme Monaco qui est en rouge et blanc pour la France. Mais qui c'est qu'il y a d'autres qui est en rouge en foot? Le Bayern de Munich, des fois. Oui, il y a le Bayern. Ah, tu connais Liverpool. Il y a Liverpool. On appelle même les Reds. Oui, les Reds. Les Reds. Reds, ça veut dire les rouges. Mais je ne suis pas sûr que ce soit... C'est Liverpool, les Reds? Ah, peut-être, ouais. Oui, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. D'accord. Manchester United. Manchester United aussi, tu as tout à fait raison. Oh, tu t'y connais en foot, hein? Ouh, je te présenterai un de nos reporters de la web radio qui s'appelle Camille. Oui, on dit bonjour à Camille parce qu'il est très fort lui aussi dans tout ce qui est foot. Si tu étais un légume, tu serais quoi? Ou un fruit, pardon? Fraise et la salade. La fraise et la salade. Alors là, on va pas passer à Maxime. Maxime aussi est quelqu'un qui est au CESAD et lui, il n'aime pas du tout la salade. Il n'aime pas du tout la salade. On fait un bonjour à Maxime. Si tu étais un personnage célèbre ou un super-héros, tu serais qui? Deadpool. Ouais. Marvel et Black Panther. Ah, bon, dis donc, tu as l'air de t'y connaître dans les Marvel. Ouais. Ok. Là, je pense à Francisco. Francisco est aussi quelqu'un qui travaille au CESAD et qui adore aussi les super-héros. Ouais. Et ma dernière question, si tu étais un sport... Quel sport tu saurais, mais je crois que j'ai la réponse. Vas-y. Footballeur. Eh ben ouais, je le savais. Celle-là, je le savais. Ah, on a oublié une question. Tu es en train de me dire, exact, que tu voulais parler. Ah, vas-y, dis-moi-le. Vas-y, tu es libre.
Ce que j'aimerais bien faire plus tard, oui. Quand je serai grand, coiffeur. Coiffeur. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire la coiffure? Je sais pas, me coiffer. Ah, t'aimes bien te coiffer, t'aimes bien faire la coupe. Oui. Tu vas chez le coiffeur, toi? Ou c'est toi qui te coupes les cheveux, ou c'est maman? On va chez le coiffeur. Tu vas chez le coiffeur, d'accord. Et tu regardes déjà la technique? Parce qu'il y a des techniques au ciseau, il y a des techniques à la tondeuse, oui. Tout ça, ça te plaît? Oui. Écoute, Lorenzo, on aura le temps d'en reparler, mais pour l'instant, on a fait une super présentation. Oui. On dit au revoir à tout le monde? Oui, au revoir. J'aime les micros. On y va. C'est à toi, Tyler. On écoute Tyler. C'est Tyler, il est fini le reportage, c'est à toi, Tyler. C'est l'heure de l'interview live. Faisons un tour de table de ses vacances. Réveillon de Noël, puis celui de la nouvelle année. Comment cela s'est-il passé? C'est vous. Allez, comment cela s'est-il passé? C'est vous, on va faire un petit tour effectivement de table, on a appelé ça comme ça. On va commencer avec Monsieur Enzo. Monsieur Enzo, est-ce que tu peux me raconter, tu peux nous raconter, raconter aux éditeurs un petit peu, sans en les trop dans les détails quand même, hein, de ton réveillon de Noël. Qu'est-ce que tu as fait ce réveillon de Noël? Je suis allé vers ses mamies. Oui, tu te souviens un peu la région, parce que je sais que ta mamie elle habite assez loin. Mais vers l'Aude. Vers l'Aude? Sur l'Aude. Ah, dans le Lot. Dans le Lot. D'accord, ok. Donc c'est assez loin. Combien d'heures de voiture tu dirais? 3, 4? 3 heures. Ouais, 3 heures au moins de si voiture. Si on prend l'autoroute. Ouais, en prenant l'autoroute, exactement. Donc tu es allé avec ta famille voir la grand-mère. Qui c'est qu'il y avait d'autre dans ta famille? Ma tati. D'accord. Mon tonton. Globalement, vous étiez combien, tu dirais, pour ce repas de famille? 22 ou 23. Ouh là 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 là. Donc grosse fête de famille à Noël pour Monsieur Enzo. Est-ce que tu as été gâté? Oui. Ouais. Allez, on va pas faire tous les cadeaux, hein. On va faire un seul cadeau. Le plus beau cadeau que tu as eu, celui que tu voulais vraiment ou celui qui te plaît le plus. C'est quoi que tu as eu et qui t'a plu le plus? Un billet de 20 euros. Très bien, mais c'est pas mal. Belle couleur. C'est une bonne couleur. Pour le jour de l'an, tu as fait quoi? On est parti au restaurant. T'es parti au restaurant. On a mangé. Oh, génial. Est-ce que tu as dansé? Tu non. As fait la fête? Pas non. Pas du tout. Pas du tout. Si, après. Après, vous avez fait la fête, d'accord. Après, on est parti. Bon, on est parti dans, on est allé dans un truc, là, il y avait de la musique. Ah, et d'accord. Et après, ouais. On a dansé pendant une demi-heure et après, on est parti. Et ben voilà. Et donc, quand t'as dansé, c'est passé à 2023. Oui. Ok, merci Monsieur Enzo, c'était complet. Qui souhaite te parler un petit peu et raconter un petit peu son réveillon? Déborah, allez, Miss Déborah, priorité aussi aux filles. Hein, tu es la seule ici un petit peu de représentante féminine de nos reportrices. On t'écoute, qu'est-ce que tu as fait pendant ce réveillon de Noël? Ben, j'étais avec mes parents, mes trois grands frères et ma grande sœur, plus mon beau-frère et ma... Ça fait pour combien donc? Une quinzaine facile. On était 10. 10, d'accord, impec. Pareil, belle, même question qu'à Enzo. Le meilleur cadeau, là où tu as été la plus contente, que ça t'a fait plaisir? Ben, j'ai eu comme un truc de dessin, oui. Mais où il fallait mettre les diamants en fait. Mais c'est de Stitch et Angel. D'accord, impeccable, impeccable. Et pour le réveillon de la nouvelle année, pour passer en 2023? Je l'ai passé chez ma sœur. D'accord, eh bien on lui dit déjà bonjour à ta sœur, voilà, parce qu'on la connaît un petit peu, je crois. Et on lui souhaite une bonne année, ainsi qu'à toute ta famille. Merci Miss Déborah. On va passer Camille. Tiens Camille, qu'est-ce que tu as fait toi? Raconte-nous un peu ces vacances et notamment ces réveillons. J'étais pas entendu. J'ai pas fait Noël, mais j'ai un iPhone 11. T'as eu un iPhone 11 et t'as pas fêté Noël, il me dit. Mais tu le crois, ça? D'accord, ouais, ok. D'accord. Il y a eu de la famille qui est venue avec toi? Je pense à tes frères, je pense... Non, tu l'as fait comme ça? D'accord, ok. Donc, en fait, t'as fait juste le cadeau? Oui. Un petit repas? Vous avez mangé un petit quelque chose en particulier pendant... Non. Bon non? D'accord, ok. Et pour le passage... Ah non, oui, donc, est-ce que l'iPhone 11, c'était ton meilleur cadeau? Ton plus beau, ton plus celui qui t'a fait le plus oui. plaisir? T'es sûr? Parce que c'est pas le cadeau du CESAD, du loto, qui t'ont fait le plus plaisir? Si. Ah aussi, t'es gentil, ça va. Il est gentil Camille, impeccable. Le réveillon du nouvel an, comment tu es passé de 2022 à 2023? Mais tu fais gâter des pétards. T'as fait des pétards, d'accord. Oui, il y en a qui font ça, c'est vrai. C'était interdit dans certaines villes d'ailleurs, ouais. Au niveau des pétards et tout ça, parce qu'avec les risques de tout ce qu'on veut. Ouais, et alors? Tu fais gâter des fusées. Oui, d'accord. Des bisons. Ouais.
Ouais, ça fait du bruit, ça, quand même. Ça fait du bruit, ça, monsieur. C'est pas trop dangereux ? C'est pas trop dangereux ? Pas du tout. Pas du tout dangereux, d'accord, ok. Et vous étiez fait ça avec des copains à toi ? Avec des grands. Avec des grands. D'accord, impeccable. Merci, monsieur Camille. Qui c'est qui souhaite... on va passer avec monsieur Tyler, qui est là. Monsieur Tyler, comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton 24 au soir, le soir de Noël ou le 25, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu as fait de beau, toi ? C'est pas marqué sur la feuille. C'est dans ta tête. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau ? Avec le micro. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau ? Il y avait tous les petits enfants de Valérie. Oui. Donc on a été tous enfermés dans une chambre vu qu'on leur fait croire au Père Noël. D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui croient au Père Noël encore ici ? Pas du tout. Non, ça va. Non, mais je préfère demander parce que on sait jamais. OK. Et est-ce que c'est toi qui... Moi je t'aurais déguisé en Père Noël toi. Non. Déguisé ? Non, non, en non. Flûte. C'est le fils de Valérie, Loïc. D'accord. Et il n'a pas distribué les cadeaux, mais il est passé devant la porte. Il a fait ho, 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 comme ça. D'accord. Pour faire croire un petit peu aux enfants qui croient encore au Père Noël, que ça y est, ils allaient avoir leurs cadeaux. Très bien. Quel a été, toi, ton plus beau cadeau, celui qui t'a fait le plus plaisir ? Ne me dis pas toute la liste. Hein. celui qui t'a fait le plus plaisir. Je n'ai pas eu beaucoup, en vrai. Ah, écoute, moi non plus. J'ai eu ma DS. Ah, ben quand même. Deux DS. Deux DS, une pour chaque main. Ouais. Après j'ai eu une montre. D'accord. Moi je t'ai demandé le plus, celui qui t'a fait le plus plaisir. J'en veux que un. Tu mais dirais je quoi ? Je sais pas. J'ai eu un drone aussi. Ouais. Alors lequel t'a fait le plus plaisir ? À part ça, il est pas gâté. Il est pas gâté. Alors le plus. Et j'ai plaisir. Eu 30 euros. Allez, c'est les 30 euros comme Monsieur Enzo qui a fait le plus plaisir. On va passer le micro à Monsieur Axel. Non, moi j'ai besoin de parler avec lui. Donc qu'est-ce que tu peux lui passer, Tyler ? Merci, Monsieur Tyler. Alors, Axel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi ? J'ai oublié de te demander à Tyler, mais on le fera tout à l'heure le jour de l'an. On va le faire aussi vite fait. D'accord ? Comment t'as passé Noël ? Bien. Est-ce qu'il y avait de la famille ? Oui. Alors, dis-moi un peu combien vous étiez autour de la table ? 20. 20 ? Oh, bah, grande famille aussi, d'accord. Est-ce que maman, mamie, elles avaient fait quelque chose de particulier pour le repas ? Quoi ? Ça m'intéresse, pour savoir si un jour tu m'invites, si je viens ou si je viens pas. Quoi ? Du chapon. Du poulet. Non. De la dinde. Oui. De la dinde. Ouf. Non mais après il y avait du... Oui. Du pâté. Du foie gras. Comme du pâté, du foie gras. D'accord. Très très bien. Très très bien. Et pour les enfants, il y avait un menu un peu spécial ou vous avez mangé un peu comme tout le monde ? Mais comme tout le monde. Un peu comme tout le monde. Alors pareil, même question qu'à Tyler et à Camille, à Enzo et à Déborah. Le meilleur cadeau que tu as eu pour ces Noëls ? Mon téléphone. Un téléphone, toi aussi, mais dis donc, hein. D'accord. Tu en étais content ? Mmh. Bon, impeccable. Et le jour de l'an ? Je l'ai fait. Oui. Avec le frère de mon beau-père. Oui. À Villalier. D'accord. Et genre, on a mangé. Et vous avez fait ça en groupe et vous avez fait un peu la fête ? Ouais. D'accord. Et après, genre. Oui. Après, on a entendu minuit et après, minuit. Ouais. On a crié bonne fête. Allez, impeccable. Passe le micro à Tyler, s'il te plaît. Tyler, vite fait pour terminer ton interview et ce tour de table. Le jour de l'an, comment tu l'as fêté de 22 à 23 ? On était 30. Ouh là là ! Ouais. Et ? On a fait la fête. D'accord. On a fait un peu de 4x4. Oui. Et c'est tout. Bon. Et on a tous crié à 2023. Ok. Reste à nos éducatrices préférées, savoir un petit peu si elles ont passé un bon réveillon, si elles se sont régalées. Est-ce que le lendemain n'a pas été trop dur et tout ça ? Est-ce que ça va, les filles ? Eh bien, ouais. Ça a été un petit peu d'excès également en termes d'alimentation, mais oui. Ça s'est très bien passé. D'accord. Et voilà, pareil chez nous. Nous, ça a été beaucoup d'excès en termes d'alimentation parce que moi, en plus, j'ai la chance d'avoir mon anniversaire le 28 décembre. Ah. Donc, autant vous dire qu'on a fait un repas tous les deux jours. Et donc, voilà, je suis au régime jusqu'en 2024. Allez, impeccable. Merci, les filles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Déborah ? T'es au régime ? Et Luc, c'est l'heure du reportage. Pourquoi se souhaite ton... Bonne année. La bonne année. Camille. Reportage. Voilà, merci monsieur Axel. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Comment se souhaite-t-on la bonne année dans le monde ?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, bonne santé. À minuit pile, c'est champagne et embrassade sous le gui. Lors du réveillon du 31 décembre, les convives mangent, chantent, dansent, lancent des cotillons. Une façon de dire adieu à l'année passée. Et bonjour à la nouvelle, que l'on se souhaite joyeuse. Ça, c'est en France. Et dans les autres pays, c'est pareil. En route pour un petit tour du monde des jours de l'an. Les Brésiliens, vêtus de blanc, festoient sur une plage illuminée de milliers de bougies. Au passage d'année, c'est 20 de minuit sous les feux d'artifice. Ils portent et s'offrent des culottes de couleur. Une bleue pour souhaiter une bonne santé, une verte pour la chance, une rose pour des vœux d'amour. Les New-Yorkais, eux, chaussent des lunettes extravagantes aux chiffres de la nouvelle année et s'embrassent sous une pluie de confettis. En Italie du Sud, c'est une pluie de vaisselle qui inonde les rues. Les vieux objets jetés par les fenêtres symbolisent la mort de l'année passée. Tout aussi fracassant, les Danois tapent avec force aux portes des voisins pour annoncer la nouvelle année. Les Belges, plus calmes, se souhaitent prospérité et richesse en plaçant une pièce de monnaie sous leur assiette. Si les fêtes sont différentes, les vœux de bonheur et les embrassades sont, eux, les mêmes partout. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Et maintenant, Tyler va nous poser des questions sur l'activité que nous avons eue au CESAD pendant les vacances de Noël. À toi, Tyler. C'est quoi les règles du loto ? Alors, avant de commencer, c'était la surprise, l'activité de Noël. Pose la question aux autres, quelle était l'activité de Noël pendant les vacances au CESAD ? Quelle est l'activité de Noël au CESAD ? Le loto. Alors, quelqu'un veut dire autre chose ? Comment ça s'est passé, le loto ? C'est quoi, en fait ? Où c'est que ça s'est passé ? Au CESAD. Oui, mais où ? En bas. Ah, dans la pièce du bas. Et qu'est-ce qui avait été préparé ? Les tables. Les chaises. Le matériel. Le matériel, toute la question du matériel, effectivement. Tyler, une autre question. C'est quoi les règles du loto ? Alors, qui veut se lancer ? Vas-y, Enzo. On a fait des fois des cartons pleins. Oui. Ou on a fait des fois des lignes pleines. Comment on appelle ça ? Des quilles. Des quilles. Des quilles, effectivement. Et à chaque fois qu'on faisait une ligne ou un carton plein ? On gagnait quelque chose. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut crier. Il faut crier. T'as crié, Axel ? Oui. Si, puisque t'as gagné. Une fois. Ah bah oui, alors t'as crié comment ? Je sais plus. T'as fait « Ah !» ou t'as fait « Je sais plus. Ah, d'accord. Camille, t'as gagné combien de fois ? Avec le micro. Combien de fois t'as gagné ? Trois fois. Alors, une question de Tyler, peut-être sur... Qui c'est qui a crié le plus fort ? Qui a crié le plus fort ? C'était moi, je crois. Ouais, je me semble que Camille était pas mal, mais Axel était pas mal. Ah, il y a Nolan, il a pas gagné. Nolan, il a gagné, Nolan ? Ah, qui ? Maxime aussi, oui, Maxime avait pas mal crié fort. Et une autre question, Tyler ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Une enceinte. Alors, il y avait des lots, effectivement, il y avait des lots. On va faire le tour de table. Tu dis ce que t'as gagné, Camille ? Une enceinte. Ouais, quoi d'autre ? Un dessin en diamant. Oui. Un uno. Ok. Uno. Mais il n'y avait que ça ? Il n'y avait pas un sac où il y avait des choses déjà à l'intérieur ? Un sac de consolation. Ah, d'accord. Tous n'ont pas eu ça. Tu sais, avec un... Si, si. Tous ont eu ça. D'accord. Tous ont eu, donc... Si, je sais. Vas-y. Il y avait un Papa Noël en chocolat. D'accord. Il y avait un doudou. Oui. Un doudou. C'est bizarre parce que t'étais là ou t'étais pas là ? Parce qu'on a l'impression que t'avais été là finalement. Ah, tu l'as eu comme... Oh, la chance ! Et il y avait deux ronds au chocolat. D'accord, impeccable. Enzo, qu'est-ce que t'as gagné toi ? Une balle rebondissante. J'ai gagné. Oui. Un mikado ou un domino, je ne sais plus c'est comment on le dit. Un mikado. D'accord. Après, il y avait une poche, il y avait une peluche. Oui. Un truc en chocolat que j'ai pas mangé, c'est mon petit frère. D'accord, c'est gentil ça. C'est gentil d'avoir donné à son petit frère. Oui. Et après, je sais plus. Et alors, t'as gagné toi ou t'as juste eu le lot de consolation qui sont des cadeaux aussi ? Mais t'as gagné ? T'as fait une quille, un carton plein ? J'ai gagné une fois. Et alors, qu'est-ce que t'as gagné là, du coup ? Les mikados. Ah, c'était le mikado, pardon, d'accord, ok, les mikados. Les mikados, on est d'accord, c'est les petits bonbons, c'est les petits gâteaux à manger, c'est ça, non ? Oui. C'est ça ? Oui. Eh, on est d'accord, hein, bien sûr. Non, je rigole, c'est le jeu, bien sûr, c'est le jeu, le mikado. Miss Déborah. Alors, Miss Déborah qui est partie avec une migraine, paraît-il. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Hein, tu l'as su d'ailleurs que Déborah elle était partie avec une grosse migraine? Non. Tu pourrais lui demander pour. Avant des vacances. Oui. Elle avec le micro. Alors, mets le micro devant la bouche et demande-lui pourquoi elle a eu la migraine, s'il te plaît. C'est quoi une migraine? Alors, déjà. C'est quoi une migraine? C'est quand t'as mal à la tête. Voilà, très bien, très bien, très bien. Alors, pourquoi t'as eu la migraine, toi? Parce que Luc a crié. Ouais. Toute l'après-midi. A crié toute l'après-midi, oui. En plus qu'il sortait des blagues un peu pourries. Oh, alors ça quand même, j'avais préparé mes blagues depuis 3 mois à la base. Comment elle critique tes blagues? Tu as vu comment elle critique mes blagues et tout ça? Alors comment c'était pour faire l'animation et tout là? Oh là là, des blagues pourries, dis donc. Hein. T'es d'accord avec ça, Axel, toi? Non. Elles étaient pourries mes blagues? Oui, c'était marrant. Ça se fait pas. C'était un peu marrant comme toi, heureusement. Bon, ça va. Bon, écoute, t'as gagné 4 séances de psychologie gratuites. D'accord? Ça marche? Allez, impeccable, y a pas de problème. Qu'est-ce que t'as gagné, ouais? J'ai gagné de la peinture avec un cahier avec des feuilles blanches. D'accord, avec un cahier à dessin. Oui. D'accord, ok. Axel, t'as gagné, toi? Oui. Alors, je crois que toi, t'as entourloupé quelqu'un, non? Parce que qu'est-ce que t'as gagné au départ? Un diamant. Un diamant? Oh, c'est ça, on fait gagner des diamants. Et on me le dit pas à moi. D'accord. Et après? Mais j'ai fait l'échange contre. Ah, on y arrive. Alors d'abord, t'as gagné quoi? Un diamant. C'est pas un diamant. Plus exactement, il ne s'agit pas d'un diamant, mais d'une petite activité manuelle, en fait, où qui représente un petit dessin. Là, c'était un loup, et il faut coller des petits diamants pour représenter le loup. Voilà, mais ce n'est pas un diamant, parce que sinon, on l'aurait gardé pour nous. Et alors, ce diamant, tu n'étais pas chaud avec ce diamant? Oui, non. Alors, et donc, qu'est-ce que tu as fait avec Maxime? Il a dit, je te fais l'échange contre le ballon, et voilà. Et donc, tu es reparti avec un ballon? De foot. Je l'ai offert à mon frère à Noël. Et vous êtes gentil quand même d'offrir des cadeaux à vos frères et sœurs là. Franchement, c'est vous êtes. Lui, il avait perdu un ballon. En plus, très bien. Et il y avait quoi sur le dessiné sur le ballon? C'était l'OM. Ça recoupe comme un peu l'OM. C'était ouais, un peu l'OM. Des logos un peu comme l'OM. Ouais, c'est ça. C'était d'accord. Bon, tu vois, Tyler, j'espère qu'on t'a mis l'eau à la bouche et que l'année prochaine, si on fait une autre activité au CESAD, tu viendras cette fois-ci. Hein. Si, par la peau des fesses, on viendra te chercher pour que tu viennes gagner des lots. Tu vois, voilà. Aussi, je viendrai. Allez, impeccable. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le loto du CESAD où tout va bien? Globalement, vous avez apprécié cette activité de Noël? Et toi, Luc, ça s'est pas comme, ouais. ça s'est passé comment Noël et le réveillon? Pour moi? Oui, pour toi. Alors moi, c'est simple, hein. Coucher 8h30. Voilà, moi je suis comme Camille, je crois pas au Papa Noël, hein, parce que je suis grand, donc je suis allé me coucher, j'ai pas fait d'excès du tout. T'as pas eu de cadeau? J'ai pas eu de cadeau du tout. Voilà, donc je suis même resté dans ce bureau, c'est ça, tout seul. Voilà. Il a pleuré beaucoup aussi. Et le réveillon. Alors, Enzo, tu disais que finalement c'était plutôt sympathique comme activité de Noël, tu as apprécié? Ouais. Ouais, ça va, c'était appréciable. Parce qu'après, quand même, vous avez pas dit, les filles, elles avaient fait quelque chose avec vous. Pas que les filles. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, il y a des jeunes du CESAD qui avaient préparé le goûter. Oui. Axel, Déborah. Axel, elle a préparé le goûter. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu as préparé, Axel? Qu'est-ce que tu as préparé où? Je sais plus. Alors, Déborah, qu'est-ce que tu as préparé? Je sais plus aussi. Oh là. Mais là, je sais que ça avait la forme d'un escargot un peu. À la cannelle. Un escargot à la cannelle. Et Camille? Moi j'ai fait une bûche et des petits sablés. Oui, et je me souviens que la bûche était très bonne, effectivement. Impeccable. Voilà, tout ce que tu as raté, monsieur. J'espère que l'année prochaine tu viendras, hein, parce que c'était super bon. Avec des petits bonbons, il y avait un jus d'orange ou un truc. Nous, on avait. Comme un. Oui, mais nous à la place. Ouais, mais nous on a eu aussi une espèce de capricorne, là. Une espèce de. Ah oui, mais jus de pomme, un jus de pomme. Et nous à la place, on a été gâtés de gâteaux et de bonbons. Ouais, mais bon, la prochaine fois tu viendras, tu verras. Et des gâteaux aussi. Allez, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Axel, s'il te plaît? Hein, parce que c'est marqué sur ta feuille. Tristesse, c'est la fin de l'émission. C'est vrai qu'il est triste, hein. Radio CESAD Castel. C'est la voix de radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD.
C'est une blague. Radio Cécette Castel. Ainsi s'achève ce quatrième numéro sur Radio Cécette Castel de la saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter cette émission? Téléchargez l'application Vibri Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Direct puis Carcassonne, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cécette Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On se retrouve sur Vibré Ruby mercredi 8 février 2023. Avec des reportages et des interviews live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir les gars. Et les filles. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. C'était Radio Cécette Castel. La web radio du Cécette de Castel Audary. Non, c'est fini pour l'émission. À bientôt. Et maintenant, Silence Radio.